L'urbain, ce serait plus du coup des paysages à caractère minéral où la présence de l'homme est constante et où il y a peu, je pense, de spontanéité en fait. Il y a peu d'espace laissé à la libre expression. Et la nature, ce serait justement cette forme de spontanéité, cette forme de, voilà, de lâcher prise. Et tout ça, bon, il y a des espaces là qui sont un petit peu mitigés, j'allais dire un petit peu cultivés par l'homme, quoi. Hein. On voit bien que c'est des paysagistes qui ont fait ça, ce sont des essences particulières, c'est bien ensemencé et tout ça. Donc, c'est des espaces nature, mais pas naturels. Hein. Pour en revenir toujours à ma définition de départ, pour moi, un espace naturel, ça doit être sauvage. On doit y retrouver les espèces d'autrefois, les ajoncs, les genêts, les arbres, les chênes. Parce que chaque chose avait des utilités autrefois, hein. Parce que C'était autrement, pas. tous les arbres qui sont plantés, par exemple, sont plantés par l'homme. À part la chésine, c'est un peu. On laisse tout ça. On laisse même des endroits avec des arbres morts de façon à ce que la nature se régénère. Autrement, partout dans les jardins, forcément, on reçoit. C'est forcément l'empreinte de l'homme.